Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux pour ce mois de juin 2022. Je vais commencer les tirages pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc on va développer un petit peu, on va dire le côté amour qui était déjà en partie dans le tirage général du mois de juin. Je vous incite à aller le voir. Ça peut être le message du mois de juin qui parle ou ce tirage ici que je vais faire. Vous pouvez regarder, vérifier ou ça peut compléter ce jeu-là. Ce tirage-là, je vais utiliser plusieurs oracles sentimentaux. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien bien sûr à la chaîne et pour avoir vos vidéos concernant ces tirages amour. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va regarder quel est le signe aujourd'hui. Donc, je vais tirer au sort pour qui je vais faire ce tirage. Donc, on va regarder pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Et je vous incite à regarder aussi votre signe, surtout lunaire. Si ce tirage ne parle pas, vous regardez votre signe lunaire si vous le connaissez, qui parle vraiment de relationnel, de lien, d'amour, etc. On va commencer une première ligne avec ce petit oracle pour voir ce qu'on nous dit. Donc pour les taureaux en amour, pour le mois de juin 2022. Et je ferai aussi une partie spéciale célibataire. Si ça ne parle pas, je vais essayer d'adapter. Hein. Taureau pour le mois de juin 2022. Taureau, juin 2022. Parle de signe de terre, mais je vais pas prendre les coupes ici. On va prendre 5 cartes. Les taureaux. Alors, on va déjà regarder ce petit oracle. Je vais utiliser ensuite le Line of Love et l'oracle coup de cœur ou l'inverse. On va faire comme ça. Ça nous permettra d'avoir un peu une ligne conductrice pour les événements amoureux de ce mois de juin. Alors, on nous parle en premier d'amour fusionnel, de lien d'âme. Donc, possibilité d'une personne qui sera présente en rapport avec une âme sœur. On parle d'une gestation. Gestation d'un amour, gestation d'un enfant. La fin d'une histoire qu'il vous faut tourner la page. Relation discrète. Amour discret, joie, bonheur, célébration. Bon, ce qu'on peut voir dans ce mois de juin, c'est possible que certains taureaux, vous allez mettre fin à une histoire, à un chapitre de votre vie au niveau sentimental. Peut-être parce qu'il y a eu dans votre dernière histoire de la cachotterie, une relation discrète qu'un des deux a eue, peut-être votre partenaire ou vous, qui a fait que la relation n'a pas pu marcher, bien sûr. Je crois que ça, je l'avais dit, que je sais plus, mais il faut regarder dans le tirage du mois de juin. Voilà. Donc, il y a, je crois, deux étapes. Je sens deux étapes ici. Une première où on ferme une histoire, on finit un livre à cause de ce genre d'histoire de secret. Ça peut être quelque chose qui était en lien avec une relation karmique, donc un karma à régler. Souvent des secrets ou des choses cachées que vous avez pu vivre en amour. Ou par la suite, dans le mois, vous allez faire une rencontre d'âme sœur, une rencontre d'amour fusionnel. Et on nous dit qu'il y a un démarrage, la gestation, ou, en tout cas ça se prépare, cette rencontre se prépare, qui serait une âme sœur, d'accord, qui va apporter de la joie, qui va vous amener à nouveau de la joie, du bonheur. Vous allez être heureux en fait avec cette personne. Ça va vraiment changer par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. D'accord. Donc, je vois ici une situation en deux étapes. Juste mettre ça. Je vais commencer les tirages sentimentaux parce qu'on est bientôt en juin. Ok. Donc, aussi, vous pouvez regarder les tirages de la semaine que je vais étaler entre aujourd'hui, samedi, dimanche. On va voir. Donc, pour les taureaux, on va voir s'il y a d'autres informations, si ça se recoupe pour le mois de juin, taureau, juin 2022. Taureau, juin 2022. Taureau, juin 2022.
Je vais voir si c'est droit. Aïe, aïe, aïe. Taureau, juin 2022. Taureau, juin 2022. On parle d'amour, hein. Alors, Taureau, juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, on continue pour cette deuxième ligne. On a la carte du déplacement, le labyrinthe, les réseaux, la pause, le pardon. Alors, ici, cette ligne, après, on peut faire un lien avec les trois tirages. On voit, à mon avis, effectivement, que vous êtes un peu perdu dans ce mois. Il y a votre cœur qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Parce qu'on voit qu'il y a une pause, en effet, il y a un arrêt qui pourrait mener à la fin d'une histoire. Début de mois, par exemple. Ou c'est déjà le cas. Hein, au niveau du temps, essayez de voir un petit peu, c'est peut-être avant le mois de juin, après le mois de juin, il y aura un arrêt d'une relation. Vous vous sentez un peu perdu ici. On peut aussi parler des déplacements, c'est que vous quittez une personne. Hein, il y a vraiment la fin d'une histoire. Tournez la page, laissez le renouveau entrer dans votre vie. Donc, on peut partir. On fait une pause, on fait un arrêt. Pour le moment, vous êtes un peu perdu. On nous dit quand même, voilà, vous allez être pas totalement rassuré, mais comme je vous le dis, vous avez déjà les informations, se prépare dans l'invisible une rencontre d'âme sœur. Cette rencontre pourrait se faire par les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous dit. Donc essayez de voir durant le mois par internet, par Facebook, par Instagram et autres. Et on nous dit qu'il faudra aussi pardonner, hein, effectuer ce pardon par rapport au passé, à cette histoire, à ce chapitre passé, pour pouvoir être libéré, être prêt pour une nouvelle rencontre qui arrive. Pardonnez-moi, je bégaye. Pour cette nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? Donc, il y a bien le fait qu'on quitte quelqu'un, on prend de la distance, il y a déjà une pause, il y a déjà un arrêt. Vous êtes pour le moment perdu, vous ne savez pas forcément qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Mais on nous dit oui, et puis là, on a le pardon à faire par rapport à cette dernière relation qui, pour certains, va se terminer. Et en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Il y a la fin d'une histoire pour une nouvelle rencontre d'âme. On va voir si ça confirme le Line of Love pour les taureaux. Mois de juin 2022. Taureau, juin 2022. Taureau, juin. Donc, je pourrais dire qu'il y a une rencontre pour les célibataires. Je peux dire qu'il y a une séparation pour les couples et une rencontre par la suite. Juin. Qu'est-ce qu'on a comme information? Il y aura un choix à faire. Donc oui, cette notion de d'être perdu, hein, d'avoir le cœur dans le labyrinthe qui ne sait pas trop dans quelle direction aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous aurez une décision à prendre. À un moment donné, je coupe, je m'ouvre à autre chose, ça ne va pas. Parce qu'on parle de relations discrètes. Il y a effectivement une situation qui vous blesse dans la relation que vous vivez maintenant. Mais il y a un coup de chance qui arrive dans ces perturbations que vous vivez actuellement et il y a bien le secret. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit, le tirage précédent. Ce dernier jeu nous dit que votre vie sentimentale est effectivement perturbée actuellement, hein, en ce mois de juin. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a du secret. Il y a une des deux personnes qui a quelqu'un de secret, qui a quelqu'un, on va dire, avec qui ça ne fonctionne pas. Qui, peut-être, c'est vous, hein.
qui avait une relation, mais je pense que c'est plutôt l'autre personne qui aurait une relation ici secrète, qui crée des perturbations, qui vous blesse. Face à ça, eh bien, vous devez prendre une décision. Pour moi, la décision, ce sera de fermer cette histoire. Et il y a un coup de chance qui arrive. C'est-à-dire, il y a la chance qui revient. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive derrière. C'est comme le destin qui est présent pour votre vie sentimentale, qui nous dit, eh bien, coupe avec cette relation. Elle n'est pas bonne pour toi parce qu'on te prépare quelqu'un de mieux. Et il y a peut-être quelque chose de karmique à régler au niveau du secret dans votre vie sentimentale. D'accord? Je vais voir un conseil ici pour vous, le taureau. Un conseil pour l'amour. Taureau, conseil pour le mois de juin 2022 en amour. Taureau, conseil pour le mois de juin 2022 en amour. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? D'être créatif, d'avoir de l'imagination. De créer votre vie, déjà de la visualiser, cette nouvelle rencontre, ou visualiser votre rêve. Parce que moi, je pense vraiment qu'il y a une porte qui se ferme concernant un passé karmique qui va se régler. Et il y a une nouvelle relation qui se prépare dans le monde invisible pour vous, ce qui est très intéressant. Soyez dans la création, la visualisation, quelqu'un de nouveau arrive. Donc, pour les célibataires et pour les couples, qui verront ceux qui sont dans cette relation avec du secret, n'hésitez pas à me commenter si ça parle. Il y a une partie du mois où on sera peut-être perdu, mais on va retrouver une relation qui arrive, vers qui vous allez être attiré immanquablement parce que ce sera karmique, ou une rencontre, en tout cas coup de chance, que l'univers vous envoie. Donc c'est très positif pour vous les taureaux pour ce mois de juin au niveau amour. N'hésitez pas de regarder le tirage général. Je dis, il y a une partie sentimentale qui peut compléter ce tirage. Merci pour vos retours et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.